Hello mes chéris, c'est Tali Bouti, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie, mais ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien là-bas. Chez moi, ça va également par la grâce de Dieu. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, nous vous souhaitons tout simplement la bienvenue dans la famille Tali Bouti. Si vous êtes de passage sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez toujours vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Pour ceux ou celles qui me suivent déjà, je vous dis tout simplement merci mes chéris, merci. Ça me touche énormément. Merci de partager mes vidéos, merci mes chéris de me soutenir, de commenter, de liker, ça me fait énormément plaisir mes amis. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que nous soyons toujours connectés, que vous soyez au courant de toutes les vidéos que je sors mes chéris. Aujourd'hui, nous allons faire une crème éclaircissante pour les peaux caramel ou des peaux miel mes chéris. On va s'occuper de tout le monde ici, d'accord? Pour faire cette composition, vous allez avoir besoin d'une crème, d'accord? Dans ma chaîne, il y a une sélection de crèmes éclaircissantes pour la nuit, d'accord? Parce que moi, tout ce que je fais comme produit éclaircissant, c'est que pour la nuit, mes chéris, d'accord? Ce n'est pas pour la journée, c'est que pour la nuit, d'accord mes chéris? C'est pour ça que je ne mets pas de crème solaire, parce que je n'utilise ça que la nuit. Après, si vous êtes tenté d'utiliser dans la journée, vous devrez ajouter une cuillère de votre crème solaire, d'accord? Donc pour faire cette crème, mais je vous le conseille vraiment pas, c'est que la nuit mes amours, d'accord? Vous me connaissez déjà, donc moi c'est la nuit mes chéris. Pour faire cette crème, vous allez avoir besoin d'une crème soit neutre. La crème neutre que j'utilise, c'est Evenshin. Je l'adore, cette crème-là, elle est trop bien. En tout cas, il y a une revue sur ma chaîne à propos de cette crème. Sinon, vous pouvez prendre une crème éclaircissante, éclaircissante comme Lutacé, Konza, il y a énormément de crèmes sur le marché maintenant. Vraiment, il y a beaucoup de crèmes. Donc, vous allez prendre une crème. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une glycérine. D'accord? Vous allez avoir besoin d'une glycérine. Moi, j'utilise toujours cette glycérine-là, la bleue-là. Je l'aime beaucoup. Donc, vous allez avoir besoin d'une glycérine. Ensuite, vous allez avoir besoin de la vitamine C. La vitamine C, j'ai une vidéo sur ma chaîne, de la liste des vitamines C que j'aime. La vitamine C, vous savez, ça apporte le glow, ça apporte de la lumière. La vitamine C, c'est vraiment bien aussi, mes chéris. Ensuite, vous allez avoir besoin de la vitamine E. La vitamine E aussi, mes chéris, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ça aide à l'élasticité de la peau, ça aide à la cicatrisation. C'est vraiment bien. Et vous allez avoir besoin de la poudre kojique. D'accord? Pour celles qui n'ont pas la poudre kojique, ne paniquez pas. Ce n'est pas bien grave. Vous allez remplacer tout simplement votre poudre kojique par une cuillère d'un concentré de fruits, comme vous pouvez prendre piment doux si ça vous va, ou vous pouvez prendre peau jaune, 42 heures. Il y a une liste aussi sur ma chaîne des concentrés de fruits mes chéris, d'accord? Donc vous allez d'abord commencer par touiller la crème pour la fluidifier. Vous allez la touiller, mais toute seule, encore sans rien. Sur le côté, pour celles qui ont l'acide kojique, vous allez mélanger l'acide kojique et une demi-cuillère d'acide kojique avec une cuillère de glycérine. D'accord? Demi-cuillère d'acide kojique, une cuillère à soupe de glycérine, mes chéris. Vous allez les mélanger sur le côté. Ensuite, vous allez venir le mettre dans la crème. Vous allez prendre une cuillère à café de vitamine C que vous allez mettre dedans. Une cuillère à café de vitamine E. Vous allez
tout mélanger, mes chéris. Et votre crème, elle est toute prête, mes amours. D'accord? Pour celles qui n'ont pas l'acide kojique, vous prenez votre crème. Vous prenez une crème un peu grande, un peu vert, enfin, au moins 60, minimum 30 ml. D'accord? 60 à 30 ml, pas moins. Si c'est moins, vous doublez, vous en faisiez deux. D'accord? Donc, vous allez prendre votre crème. Vous mettez une cuillère de glycérine, une cuillère de vitamine C, une cuillère de vitamine E et une cuillère de votre concentré de fruits. D'accord, mes chéris? Si vous n'avez pas la vitamine C encore, pas de panique, mes amours. Vous pouvez juste rajouter une demi-cuillère de citron, de jus de citron. Ça marche très bien aussi, mes chéris. D'accord? Vous touillez le tout, vous mélangez bien. Et voilà, votre crème, elle est faite. Elle est bien, elle est OK. Elle est opérationnelle, mes chéris. Vous allez avoir des résultats avec cette crème. Cette composition, c'est pour la peau caramel, la peau miel. Ça, c'est une très bonne composition pour vous. D'accord, mes chéris? C'est à utiliser que le soir. Parce qu'on a beaucoup d'antioxydants dedans. Vraiment, mes chéris, ça sera à utiliser que le soir, mes amours. D'accord? Et la journée, vous utilisez votre crème hydratante, mes amours. D'accord? Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très, très, très fort. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse, mes chéris. Bisous!